Good morning, Aleiden. Et tu seras aujourd'hui le Nishmat Amram, Yona, Ben Chana, Peggy, Bat Esther, Kuga, Bat Fritna, Zara, Bat Mazal Tov, Shishportish, Rachel, Rachel, Bat Sarah. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Sanhedrin, Perekret, Mishnah Zayin. Ve Eilu Hen Shematzilin Otan Ben Nafshan. Arodef Achar Chavero Lehorgo. Achar Azechur. Ve Achar Anahara Ameurasa. Aval Arodef Achar Abema. והמחלל את השבת והעובד עבודה זרה אין מצילין אותם בנפשם. On continue, on finit le perek chet, le 8e perek qui a essentiellement traité du ben sorer amoré, en apprenant un nouveau cas plus général cette fois-ci d'une personne que l'on va tuer parce qu'on prédit, on prévoit la conséquence de ses actes, d'accord? Et c'est le fameux din du rodef, celui qui poursuit quelqu'un pour le tuer, ou, comme on va voir, celui qui poursuit une femme pour la violer, ou encore celui même qui poursuivrait un homme pour faire ce qu'il veut faire. D'accord ? Pour ces trois cas-là, la Torah a permis de tuer le rodef. En réalité, en fait, pour toutes les lois des incestes, le Bartonor va le rapporter, toutes les lois des incestes, si toutefois il y en a un qui poursuivrait l'autre pour faire la Avera, on a une mitzvah d'être matzil oto benafsho. Pourquoi attendre qu'il transgresse et qu'après on le condamne ou non à l'autre? Il y a une mitzvah depuis tout de suite. C'est des Averot que le Rashi rapporte, qui est un kalon ou bgam. On rabaisse, l'honneur de la victime est rabaissé. Donc la Torah a donné une mitzvah spéciale de, avant qu'il fasse l'acte, tue-le depuis tout de suite. D'accord? Par contre, on fait ça tout de suite dans les mots, après on découvrira ça à l'intérieur des psukim, c'est intéressant, comme ça nous permet de bien comprendre un psuk. Ve'elouen shematzilin otan benafshan. Voici les personnes qu'il est permis de sauver benafshan au prix de la vie d'un autre. Soit quelqu'un qui va vouloir lui commettre quelque chose, lui faire quelque chose, alors on aura le droit de sauver la victime en prenant la vie de l'autre. Qui sont ? Arodef achar chavero leorgo, celui qui poursuit son prochain pour le tuer. Achar azechur, ou qui poursuit un homme qui poursuit un homme pour en faire ce qu'il veut faire. Veachar anahara ameorasa, ou encore celui qui poursuivrait une nahara ameorasa, une jeune fille fiancée. Donc en fait, en réalité, on apprendrait là en fait toutes ses incestes. On a préféré prendre le cas de la nahara ameorasa parce que c'est celui qui est explicite dans la Torah, comme on va le voir dans quelques secondes. Par contre, celui qui poursuit un animal, soit quelqu'un de dingue, il a envie de faire ce qu'il s'avéra avec un animal, il essaye à tout prix d'attraper la vache. Alors là, on n'aura pas besoin de le tuer. Là, il y a un procédé normal, c'est-à-dire n'importe qui n'aura pas la mitzvah d'intervenir pour le tuer, mais un procédé. Prends vite deux témoins. Préviens-le, dis-lui ne fais pas ce que tu veux faire, et si lui il va dire malgré tout je veux faire, et bien prenez-vous, vous êtes témoin, prenez-le ensuite par l'oreille, vous l'amenez au Beddin, vous dites non, témoigne qu'on l'a averti et qu'il a fait, et le Beddin le condamnera à mort, mais c'est pas à toi de le tuer, t'es pas le Beddin. Uniquement pour les incestes et pour le cas du meurtre où la victime subit un grand choc, alors là, la Torah, elle a donné cette mise en particulière de le tuer avant qu'il transgresse. Mais pour toutes les autres averot, ou encore, regardez, va mechalel et ta Shabbat, même sur celui qui transgresse le Shabbat, il a envie de s'allumer la cigarette Shabbat. Ne le tue pas tout de suite, c'est pas la peine de sortir ton revolver. D'abord, tu as transgressé toi aussi un interdit. D'accord ? Idem, va oved avoda zara. Il s'est acheté une statue de Bouddha et il a envie de se prosterner devant elle. Et de lui dire, mais non, c'est la avoda zara. Et je sors mon couteau et je le tranche la tête, et bien je serai moi condamné à mort. Parce que lui, il y a un procédé normal. Laisse-le faire ça à Vera, laisse-le, préviens-le, et après, amène-le au Beddin, et le Beddin se chargera de lui. Toi, t'es pas le Beddin. D'accord? Donc, sauf pour le meurtre et les cas des incestes. L'animal, aller avec un animal, c'est pas considéré comme une inceste. C'est quelque chose de très rabaissant, honteux, de condamnable à mort aussi. Mais en tout cas, il n'y a pas ici, on va pas se soucier. Ouais, Brigitte Bardot, Baruch Hashem, elle n'était pas au Beddin. Et on va pas se soucier de la pauvre Béma qui a été offensée, on s'en fout de la Béma, on la tuera, mais en tout cas, laisse le procédé normal qui transgresse sa Avera, et toi tu vas le condamner, et le Bédine va le condamner à mort. Pas tout le monde pourra intervenir pour empêcher de faire sa Avera, d'accord? Et N. Matilion de Tonamacha, donc, ne le sauvera pas par leur vie. Soit, je refais maintenant ça à l'intérieur du Pasouk,
je suis dans Parashat Kitetsé. Dans Parashat Kitetsé, il y a là-bas toute une paracha de la Nahara, mais on va s'en évoquer le statut particulier de la jeune fiancée qui aurait un écart. Qui était Betoula, elle était vierge, elle a eu un écart, elle a un statut spécial d'être condamnée Biskila, Bechole. Et là-bas, voilà, il est ici, on est dans Perek Chavbet, Pasuk Chavhe. Dans Kitetse, Dvarim Chavbet, Pasuk Chavhe. Veim Basade, Imtsa Aish, Et Anahara, Ameorasa. Si dans le champ, l'homme trouve cette jeune fille fiancée, Vechazik Baish, Vechacha Vima. Et il l'attraperait pour faire ce qu'il veut faire avec elle. Alors, Umet Aish, Acherchacha Vima, Levado. Il faudra tuer uniquement l'homme qui a eu son rapport avec elle. Par contre, Velana Ara Lota Sidava, à la fille, tu ne feras rien. Pourquoi? Là, cette jeune fille n'a aucune, n'a fait aucune transgression, la pauvre. Pourquoi? Car, aussi bien qu'un homme pourrait se lever contre son prochain pour l'assassiner, Ken Adabarazé, idem. Il s'est passé là. Soit il y a ici une victime qui n'est pas du tout fautif, qui a commis aucune avéra. De ce fait, elle a aucune. Il n'y a pas lieu de condamner la pauvre victime. Pourquoi vous allez la condamner à mort? C'est ce que la Torah nous dit. Au sens simple, la Torah nous dit quelque chose de très évident. Mais en réalité, tous ces mots sont venus nous apprendre. Justement, toute notre Mishnah, elle est venue nous dévoiler ici la Torah. Les cas du Matsilé Nantan Benafsham. Mais d'abord, je suis encore le dernier pasouk. Pourquoi tu ne le tueras pas? Ki basade metzaha. Car il l'a trouvé dans les champs. Et alors quoi? Tsakana rameorasa. La jeune fille a hurlé pour se faire sauver. Elle a dit ah, au viol. Ve'en moshiala. Il n'y avait personne pour venir la sauver. Elle était dans les champs. Voilà tel que la paracha le rapporte. En réalité, on apprend de là, du fait que la Torah insiste étrangement, à nous dire quelque chose même d'évident, qu'on n'allait pas tuer la Nahara, mais plus que ça, Tsaka Nahara, de là, ça va être en fait la réaction en chaîne pour tout apprendre rétroactivement, surtout les psukim, Tsaka Nahara, la fille elle a crié, et personne n'a pu la sauver. Ah, elle a crié, et personne n'a pu la sauver, donc on aurait pu venir la sauver, mais qu'est-ce qu'on fait si cette brute-là, il réussit malgré tout à faire son coup? De là, on apprend que non, Matsilin Ota Benafsho, il est permis de sauver la jeune fille en tuant le violeur. D'accord? C'est pour ça qu'elle a droit à un incident en disant ça, Kanara Meorasa. Elle a hurlé, la pauvre fille, et personne n'a pu venir la sauver. C'est pour ça que tu dois rien faire à la vie. En fait, on est dû de là que si toutefois quelqu'un avait pu venir, s'il avait entendu la jeune fille crier, il aurait dû venir et même tuer l'homme. De là, on apprend qu'on tue l'homme. Sur le fait que dans la Mishnah précédente, on a dit En la Nara Chet Mavet, qu'on a comparé cette fille-là à quelqu'un qui se lèverait pour tuer son prochain. Idem, cette jeune fille qui a été violée malgré elle. Alors, on déduit aussi de là que lorsque quelqu'un vient tuer son prochain, on a aussi la mitzvah de venir le sauver en tuant le meurtrier, l'assassin potentiel, même si pour le moment il n'a rien fait comme acte. Et idem aussi du fait que la Torah a dit « En la na'ara chet mavet ». Ah, si vous faites attention dans cette paracha, on parle de « na'ara », une jeune fille, mais la Torah écrit systématiquement Nahar, Nun, Ain, Resh, sans mettre le He final. Et de là on apprend Nahar aussi, un jeune homme, soit on apprend celui qui court après l'homme pour lui faire sa Avera aussi. Et du fait que la Torah a dit aussi En la Nahara Chet Mavet, elle n'est pas condamnable à mort, là-bas il y a une insistance de nouveau, elle a fait aucune faute, on apprend de là que tous celui qui ont une condamnation de Chet ou de Mavet, soit les Chiouvekri toutes ou les condamnations à mort, toutes les fautes d'inceste en fait, alors dans tous ces cas-là, on a la mitzvah de sauver la victime avant que l'ignoble lui commette son acte, on a la mitzvah de la sauver. Par contre, pour toutes les autres averot, comme ce qu'on a dit dans la Mishnah, on n'a pas, il n'y a aucune mitzvah de partir quand on voit un Mechalel Shabbat, quand on voit quelqu'un qui va faire de la Avodah Zara, on n'a aucune mitzvah d'aller le tuer tout de suite. On va voir encore un autre cas particulier dans deux pour le Prakim, un cas assez original, mais en tout cas, pour le moment, pour ce qui nous concerne ici, c'est clair, quelle que soit la vera aussi grave, à part donc les fautes d'inceste et de meurtre, inceste avec des êtres humains, pas avec les animaux, donc c'est les deux exceptions où on a la mitzvah de sauver en tuant l'assassin, le violeur. Mais tant qu'ils n'ont pas fait la vera, une fois qu'il a fini la vera, une fois qu'il a fini l'action, alors là, on n'a plus le droit de le tuer. On a juste la mitzvah maintenant de l'attraper.
cette pourriture, on l'attrape pas les cheveux, par l'oreille, on l'amène au Beddin, et le Beddin va se charger de le condamner à mort. Mais que le Beddin, plus n'importe qui. D'accord ? Telles sont les personnes que l'on sauve en tuant l'autre. Chez Matsilin, Otan Mina Avera, que l'on sauve pour qu'ils ne transgressent pas leur Avera. Benafshan, que ça veut dire que la Torah, la Mishnah insiste, on Matsil, on les sauve de la Avera, Benafshan, en leur prenant leur âme. Chez Nitan, rejeter l'échol Adam, les organes, que tout homme a le droit, et même la mitzvah même, d'aller le tuer, qu'aider la Tila et la Avera, afin de les sauver, de les empêcher qu'ils ne fassent pas la transgression. C'est celui qui est Rodef Achar Chavero Lehorgo, celui qui poursuit son prochain pour aller le tuer. Dirti Vetzal Nahara Merosa, comme le passage rapporte dans la jeune fille fiancée violée, qu'il voulait la violer. Là-bas il y a écrit Kika Achar Yakou Michel Reo Urtsachon Nefesh, car comme un homme se lèverait envers son prochain pour le tuer, Ken Adavarazé, idem, c'est le cas du viol. Makish Otseach, le Nahara Merosa, on a une juxtaposition entre l'assassin et le violeur. Manahara Merosa, Nitan El Asila Benafcho. Aussi bien, donc on déduit, aussi bien que la Nahara Merosa, que la jeune fille, il était permis de la sauver en tuant le violeur. Af Otseach, Nitan El Asila Benafcho, idem, le meurtrier, on pourra sauver donc la victime en tuant l'assassin, celui qui poursuit pour le tuer. Mais Nahara Merosa, donc déduit que la jeune fille, on pouvait intervenir au point d'aller tuer le violeur. Nafkalan Mikra, on le déduit du verset, dirtiv, comme le pasuk dit, Tzaka Nahara Merosa Ven Moshiala, que le pasuk insiste, comme on a vu là-bas dans le pasuk, la jeune fille a hurlé et personne n'a pu venir la sauver. De là, on déduit, Hayesh Moshiala, Chayav Loshia, que s'il y a quelqu'un qui est potentiellement, qui a envie de venir la sauver. Bevadaï qui pourra venir la sauver. Bechol d'avoir cher Cholazia, de n'importe quelle manière. S'il doit lui arracher l'œil, le nez, le autre chose, ou le tuer entièrement, alors qu'il le tue. Vachar Azachor, celui qui poursuit aussi un homme pour faire son acte. Nafkalan, d'Amarka, on le déduit quand le Pasouk nous dit Vela Nahara l'otasse d'avoir, tu ne feras rien à la jeune fille. Et Nahar ktiv, chaser he, il manque un he là-bas dans le Nahara. Il y a marqué juste Nahar, un jeune homme, au lieu de parler d'une jeune fille. Zezachour, de là on déduit, c'est l'homme qui se fait poursuivre pour faire cet avère ignoble. Il en va de même pour tous les cas d'inceste où il y a des chayv ekritout et mitot bet din. Chayv ekritout, il y a un chiyuv karet, ouais, et un retranchement mina shamaim, ou bien mitot bet din qui sont condamnables à mort. Sheba arayot, chez matzilen otan menafshan, qu'il est permis de les sauver en les tuant. Dirtiv, chet mavet, chet elu chayv ekritot. C'est du fait qu'il y a écrit le mot chet, je dis que c'est des chayv ekritot, puisqu'on est chayv korban khatat, lorsqu'on a fait beshogeg. Elu chayv mavet, condamnation à mort, elu chayv mitot bedin. De là, j'ai dû quand même une halakha, j'ai pas éclairci, je viens d'y penser un instant, ça demande à approfondir, quel sera le cas. Si toutefois il s'agit d'une jeune fille qui n'est pas nida, et que quelqu'un court après elle pour la violer, apparemment, il ne sera pas condamnable à mort. Il faut le déduire d'ici, puisqu'il n'y a aucune avéra de condamnation à mort. Il y a certes une avéra bien sale, ouais, un viol. Il y a des halakhot spéciales dans la Torah à quoi faire ensuite, qui devra forcément marier cette fille. Mais en tout cas, puisqu'il n'y a aucune condamnation à mort sur cet acte, il y a d'autres, ouais, ben, on ne pourra pas aller la sauver en le tuant, puisqu'il n'y a pas ici de transgression d'inceste. Comme ça, je déduis. Je pense qu'il faut approfondir la question, je ne sais pas. Ensuite, Abala Rodef Achara Bema, celui qui poursuit un animal qu'on est, c'est quelque chose sur lequel on est Chayav Mita. On est condamnable à mort, celui qui va avec un animal. C'est une grave transgression. Mais malgré tout, Afal Piché Domelarayot, même si ça ressemble au Arayot au cas d'inceste, malgré tout, idem aussi pour Vamechalet Hashabbat Voved Avodazara, celui qui transgresse le Shabbat ou celui qui ferait de la Avodazara, de l'idolâtrie, Afal Piché Shnem Kofrim Beikar, même si c'est d'avoir très très grave de transgresser le Shabbat et de faire de l'idolâtrie. Malgré tout, on ne pourra pas les empêcher de faire leur avéra en les tuant avant la transgression. Il en va à plus forte raison pour toutes les autres condamnations de retranchement. Il y en a plusieurs dans la Torah. Celui qui mangerait du chélev, des graisses interdites, ou méthode bedin, ou encore toutes sortes de condamnations à mort encore. Je n'en ai pas en tête, mais... She'enan shalarayot, qui ne sont pas des cas d'inceste, on n'empêchera pas la vera en les tuant.
Il n'y a aucune permission de le tuer. Jusqu'à qu'ils font la transgression avec des témoins. Et on les apportera au Beddin pour les condamner à mort, comme tous les autres condamnés à mort, mais on ne les sauve, on n'empêchera pas la verra en les tuant. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. Salam.